Bonjour, je m'appelle Clément Grimal, j'ai 20 ans. J'ai étudié à Amos ici depuis maintenant 3 ans. Je suis étudiant en bachelor 3. Bonjour, moi c'est Thibaut Tullier, j'ai 21 ans et j'étudie en master 2 d'école de commerce à Amos justement. Et je suis dans cette école depuis 3 ans également. C'était vraiment une aventure qui nous branche, notamment sur le côté humanitaire et également sur le côté du défi. C'est un départ de Biarritz, ensuite on traverse l'Espagne, on met notre engin sur le bateau pour finir au Maroc, à Marrakech. La préparation, la 4L, l'acheter finalement c'est pas si compliqué que ça, il y a pas mal d'annonces sur le bon coin. Par contre, tout ce qui est préparation du moteur, tous les équipements obligatoires qu'on doit avoir pour la course, c'était pas une mince affaire. En plus on a eu un petit souci parce qu'on a dû racheter une autre 4L. Parce que la première 4L, elle était pourrie de chez pourrie au niveau du châssis, malheureusement. Du coup, elle ne pouvait pas passer au contrôle technique à Biarritz. Donc nous, logiquement, avec la préparation qu'elle a eue, on est presque sûr de passer au contrôle technique. Et après... On en saura plus le 15 février à 8h10, pour être précis. Pour dormir, on a prévu, nous, de dormir en tente. Il y en a qui aménagent carrément leur coffre de 4L pour dormir à l'intérieur. C'était encore plus de préparation, etc. On s'est dit, nous, on va le faire en tente. On plantera la tente tous les soirs et puis ça sera très bien, avec un bon feu. On est tous les deux, on fait tous les deux 1m94 à peu près. Donc dans une 4L, même si c'est la plus grosse des 4L, c'est la 4L F6, celle-là. Donc on peut voir un fourgon. Donc du coup, à deux dedans, ça serait compliqué. Une tente, c'est bien mieux. C'est quand même plus spacieux.